Désormais, vous pouvez acheter et télécharger la musique de vos artistes préférés en ligne partout dans le monde grâce à www.ketouemusique.com. Et pour vos fêtes de fin d'année, Ketoué Musique vous offre la possibilité d'acheter la musique congolaise de partout dans le monde. Pour plus d'informations, n'hésitez pas de nous visiter ou d'aimer notre page Facebook. www.ketouemusique.com. La grande bibliothèque digitale de la musique congolaise. Parce que je me dis, il faut que les choses changent. Et pour que les choses changent, c'est-à-dire que comité Nabino, Blaise Boula, il faut que j'explique bien cette histoire. Nous, on est administrateur. Alors, ceux qui connaissent l'organisation et l'entreprise, les administrateurs ne gèrent pas. L'administrateur va appeler sa vision, il y a entreprise, pour gérer AT. Certes, quand il y a organisation, on a pensé que pour un premier temps, nous n'avions pas d'argent, il y a au foot à certains agents. Alors, il y a déjà, comme conseil d'administration, il y a qui vraiment éléphantesque, de telle sorte qu'on a pris quelques administrateurs qui sont allés travailler. Moi, j'ai travaillé. Mais il s'avère que je suis beaucoup avec Blaise. En fait, je pousse beaucoup. On se comprend bien avec Blaise Boula, que je trouve très intelligent, que je trouve très organisé, que je trouve très. Ayant un cœur à Yako Kanisabatumusus. D'autres artistes sont qui ont. Blaise est contesté actuellement, mais on voit l'artiste chrétien qui est en train de simuler le maningoté et tout ça. Je suis un serviteur de Dieu. Mm-hmm. Je n'ai pas intérêt à cause. Je vous dis, ceux qui connaissent Blaise, ils les connaissent bien. C'est quelqu'un qui pense aux autres. Déjà, que cette société comme en place est commis ou non, c'est qui? Tu as vu Paulin, tu as vu Wera, tu as vu Nani, Abundanati, société, on est comme en place, c'est combien là? C'est Blaise qui s'est battu bec et ongle. Moi, c'est Blaise qui est venu me chercher. On s'est rencontré une fois chez Maman Olive. C'est là que Blaise m'a invité. Il a dit, ah, je trouve que quand on a pris ces cartes de visite, non. Il a dit, ah, Naolo Kabato, Banamutu, qui peuvent réfléchir comment booster les choses dans le domaine d'Abisso. C'est lui qui a mis tout. Les Dakumuda, il a dit, ah non, la Moutouana. C'est lui qui est allé chercher tout le monde. Il a ramené les choses à un niveau tant que comme il a Ebo Tamboma, tout le monde est sorti et voudrait profiter de cette histoire comme si. Mais au moins, Blaise m'a changé l'image, ma façon de voir des musiciens profanes. Je te le dis, sincèrement, je suis un serviteur. Par sa façon, lui, de se comporter. Par sa façon, non seulement de se comporter dans la société, dans Sokoda, mais par sa façon de vivre, même na Ndakounaye, moi si naye, bananaye, sa vie quoi. C'est vrai qu'il a une partie, il y a folie, comme tout musicien profane, mais il est intelligent, bien éduqué, bien instruit et très sage. En tout cas, et tout ce qu'on a dit autour de lui, ils ont acquis. De je n'appelle même pas ça de rumeur, mais c'était des faussetés qu'il a bouffé 5 ans, 60 000 il y a Nino. C'est archi faux. C'est archi faux. Je le dis encore, c'est archi faux parce que tous les administrateurs, il y a une destination à Mongwa. Et ce n'est pas Blaise qui a bouffé cet argent. Au contraire, Blaise a eu même des problèmes au niveau de la foyer, au niveau de Ndakounaye, parce qu'il a mis dès son argent, tant que contrat, disons, a gagné du procès, a dit, bon, on a eu une bonne partie à défendre cette société. Si le nom, bon, on a un zone salante. Alors, donc, on doit arrêter. En fait, il y a eu des gens qui ont voulu utiliser la société comme gagne-pain à Bango. Aujourd'hui, ils ont pris le chose, mais est-ce qu'ils ont payé les artistes? Est-ce qu'ils ont payé. Veuf, orphelin, non, l'argent qu'ils ont, c'est quoi? Moi, à peine une fois, ils m'ont appelé, j'étais en présence Moko. J'ai demandé à Nini, j'étais en présence Moko parce que je suis quelque part dans une banque. Donc, arrêtons
d'ergoter autour de la personne de voilà. Et moi, quand j'ai vu ces garçons, je me suis dit, voilà quelqu'un qui approche ma façon de voir les choses. Parce que moi, je suis allé dans cette orchestre, dans cette société, pour révolutionner les choses, pour changer la façon de voir les choses et pour changer l'avenir de l'industrie musicale congolaise. Alors, Blaise Boula, il a été blanchi, c'est ça? Ils sont allés dans le parquet. Oui, oui. Ils sont allés dans le parquet. En fait, parce qu'on l'accusait d'avoir volé tout, et tout. Dans le parquet, tranché que grief nios ou ils ont accusé. Finalement, sur Tolandi, affaire à Sokoda, on a bien. Vraiment entre Bino et Bino Bartiste. Et bien, il y a un cas que non, ça allait finir comme ça. Alors, est-ce que les Loning Baté, quelqu'un qui n'est pas artiste, Mimi Oana, ça ne vous dérange pas la présence de Paulin Mukendi? Déjà, il dit Paulin Mukendi n'est pas PC. Regarde comment ça se passe. Nous sommes dans un conseil d'administration. Conseil d'administration de Ponaka, PC, président du conseil. Président du conseil d'administration. Alors, ceux qui ont fait Zapouch. Ça dit, Ben Dani, plus ou moins 10, même pas, 10, 10 administrateurs, coup d'État pour mettre en place mon salon barreau. Mais conseil d'administration, nous sommes en train de dire, parce que j'ai dit, tant que vous votez, tant que le conseil d'administration est voté, tout est dans le ministère. Il faut ministre, et ça, il y a déjà en présence, il y a délégué à le ministère. Il faut que le ministre a validé Nino. Or, ça n'a pas été fait comme ça. Donc, il n'est reconnu ni à niveau Sokoda, ni à niveau il y a ministère. Et aujourd'hui, qui n'est pas reconnu à niveau il y a ministère, Paulin ou bien Paulin, jusqu'à la preuve du contraire. Ah. Oui. Paulin alors que je crois avoir suivi un délégué du ministre. À la télé pour confirmer la nomination de M. Paulin. Rumeur est faux. Donc, tu es journaliste, excuse-moi, mais un journaliste dit des choses avec des preuves et vraies et sûres. Donc, ce que tu racontes là, excuse-moi, mais tu aurais vu délégué à un ministère, oui. Déjà, c'est faux et archi faux. Mais alors aujourd'hui, je veux te dire, s'il vous plaît, soyons sérieux. Bisomna na Congo Oyo. Comment est-ce que M. Paulin a dirigé Sokoda sans pour autant être reconnu officiellement par les ministères, alors que Sokoda est, si vous voulez, directement contrôlé par le ministère? Non, il n'est pas contrôlé. Sokoda, c'est une société... À part entière, si vous voulez. C'est une société privée. Privée. Oui, c'est une société privée qui n'est pas contrôlée. Mais nous sommes sous tutelle. Il y a ministère. Il y a culture. Voilà. C'est ce que je dis, ça a été un putsch. C'est quelque chose que Bango Moko va reconnaître et pour que Balia Bango Moko. Ils ne servent pas, ils ne servent ni les musiciens, ni les orphelins, ni Bato au Bazouak. En fait, ils ont pris les gens dans le mouvement juste parce qu'eux, ils voulaient faire ce qu'ils ont fait. Je reconnais qu'ils ont des relations, ils ont utilisé leurs relations. Leur haut, bas relation, normalement, le plus élevé. C'est pour ça que même je suis en train de dire que dans ce pays. Mais Binopé Boala, bas relation, normalement, au lit. Je dis que dans ce pays, moi, je suis un serviteur de Dieu. Je ne peux pas utiliser une relation pour Nanasa et Lokomoro na Grenanga. Tu comprends? Et ouais. Je ne peux pas utiliser un joker pour Tango Moutoumsou Sabimisi Deya Tselele. Tu comprends? Ouais. Je préfère utiliser mes jokers. Tant moi, on a comme il dit à moi, joker. Donc, c'est la match pour ma faire à Rando après. Donc, on a mini Toyoboye. Oui. L'affaire, le ministre a tranché. Donc, il est dans 45 jours, dans l'Assemblée Générale. Et cahier des charges, ils ont bien établi. Donc, ni les uns ni les autres, tout que nous sommes dans l'Assemblée Générale, on va élire de nouveaux administrateurs ou des administrateurs, ceux qui voudront donner encore candidature, et si la candidature, on tient l'administrateur à Sika. Apparemment, on s'est parmi les candidats. En tout cas, j'aurais voulu, mais malheureusement, la période où on est absent du pays, donc je ne pourrais pas postuler la poste d'administrateur. Et puis, il y aura que, selon, en harmonie avec
le texte Loada. Mm-hmm. Donc, la société telle que l'est ne doit avoir que 12 administrateurs. Donc, sur le 32, on va réduire tout comme à 12, donc 20 maintenant. Donc, bah, ok. Ouais. Que vous n'aviez pas remarqué que comité y a Blaise, Binonio Soana, pendant ce moment-là, vous n'avez pas remarqué que votre image a été un peu gangrénée? Vous n'avez pas remarqué ça? Mais tu sais parce que vous avez parlé sur moi de Blaise, c'est comme si que yo personnellement et ça là qui ont rien, alors que vous étiez dans le comité Blaise. Je veux essayer encore de te réexpliquer. Nous sommes un conseil d'administration. Un conseil d'administration ne gère pas. Il y a un comité de gestion, ouais, qui est dirigé par un DG na équipe na. Okay. On se comprend. Mm-hmm. Néanmoins, on a accusé Blaise parce que Azalaki vice-président, vice-président chargé il y a finance. Alors c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans quatre. Mais en temps normal, lui, il n'est même pas dans la comité de gestion. Dans la comité de gestion, moi non plus, je ne suis pas dans la comité de gestion. Donc, bateau va gérer un bon, bateau va y placer un bon, et qui n'a pas un bon, et où t'as ça coûte quoi? On a ça qu'on atteint dans le conseil d'administration. Okay. Seulement, le jour où il y avait putsch, il savait que fallait tous en un conseil d'administration. On a que tout bonnement comme tous en avoir réuni il y a conseil d'administration, na kuti mon boulot, c'est-à-dire bah tout bon va y na bah policier na et tout, c'est-à-dire na bah relation normalement bah utiliser semble-t-il, y a mon endroit le bah que non bah tout bah autorité na biso, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Et à la lueur où vont les choses, je comprends pourquoi mon cannabis ils ont statué à niveau haut. En fait, ces gens ont eu des relations d'un niveau très élevé. Il y a justice. Oui. La justice telle que ils ont bloqué même la machine tine à niveau à justice. Alors j'ai dit bon cannabis ils ont béba l'icolo il y a bateau bah aussi basé la justice qui ne sont pas intègres. Le jour où on aura dans bon cannabis n'est rien à poto, c'est à dire ok à ta pauvre ok au sein à ok fondamental Sarkozy ok fondamental Sarkozy aux yeux gain des causes. Mm-hmm. C'est le jour où ce pays va marcher. Mais j'ai vu vraiment bateau bazar en fausseté qui sont venus d'abord bah bouki bah porte il y a société sans même nini bazarana nini moko ya wissé lettre moko ya wissé de justice bah bouki ils sont même vraiment pas du tout inquiétés. J'ai dit mais nous allons où dans ce pays? Tu comprends? Oui. J'ai dit, toke wapi. Et tout ça au vu au-dessus des autorités. Alors, moi, je pense que il faudra vraiment que les choses changent. Il nous faut vraiment que nous ayons des dirigeants qui soient capables de changer machine juridique de telles choses. Parce que c'est là, en fait, le moteur. Ce qui est bongi à niveau, c'est fini le reste que nous déçoit. Mais tant que justice, c'est ça va. Gangrené par Batou, qui peuvent utiliser la machine juridique Nengezawana, nous n'irons pas de l'avant. Heureusement que le ministre n'était pas d'accord. Le ministre de la Culture. Banza Mukala Issoub n'était pas d'accord dans la Mangwana et a essayé de ramener les choses à l'ordre. Donc il a créé, il a mis en place sur décret ministériel, il a mis en place le comité Moko qui va préparer le. L'Assemblée générale. KDA Software Solution.